Wesh l'équipe, c'est Liz. Comment ça va, Zinc? Ça fait longtemps. Comme tu peux le voir, je suis pas mort. Toujours gros, en forme. Bah, ça fait 2 mois j'étais pas là. J'ai mis un post sur YouTube pour dire pourquoi j'étais pas là. J'ai des petits problèmes perso, donc je pouvais pas faire de vidéo. Et crois-moi, frère, j'étais frustré de pas pouvoir faire de vide. T'es fou quoi, il s'est passé trop de trucs. Est-ce que t'as écouté Mowgli 2? Et qu'est-ce qui se passe le 28 juin? PNL ont décidé de faire la réédition de leur album Deux Frères. Une réédition, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait, tu vois, l'album, tu le prends, tu le remets. Avec des sons en plus. Pour l'argent, frère. Par exemple, Or Noir de Kaaris, il avait fait Or Noir 2, tu vois, c'était une réédition. Et là, c'est pareil. Sauf que PNL, et tu le sais, chaque son est unique. Chaque son, t'as vu les sushis? T'aimes bien ou pas les sushis? Moi, j'aime bien. Ça se voit, tu vois ce que je veux dire? Je le mange. Ils sont tous pas pareils. Chaque son est unique. Du coup, ce que je te propose, c'est qu'on va écouter ça. Après, voilà, YouTube, est-ce que tu vas te minique encore? Tu vas commencer à m'envoyer des mails. UMG Musique déclare le copyright de cette musique. Mais bon, les frères, je vais le faire pour vous. Lâche ton like, frérot, franchement. Pour là, tu me fais kiffer quand tu lâches ton like. Et on va commencer par le premier, Ryuk. J'ai pas rêvé. Me réveille, pas tout à fait comme la veille. Oh yeah, oui. Cherche pas la bête, cherche pas le démon qui se cache derrière tellement de barrières. J'ai un chétan dans mes yeux, c'est ma merde. Pour leur bonheur, qu'est-ce que je pourrais pas te faire? Pourquoi se disent un truc? Je veux pas dire amen. À chaque fois, PNL, ils sortent un truc. Mais leur taux de réussite est à 99%. Là, tu vois ce son? Il est plus dans l'album Deux Frères que dans un autre album. Dans Le Monde Chico, je verrais pas du tout ce son. Au niveau des petits effets sonores, on dirait toujours la Game Boy, frère. Arrête, conne. Ça reste du PNL, mais il y a quand même des sonorités différentes. Après, Ryuk, Death Note. Tu connais ou pas? Hein? T'as jamais... Tu connais pas? À la fin, eh ben, il me... D'ailleurs, j'ai un Death Note là, attends. LNST retient toujours, t'as pas liké. C'est quoi ton nom? Juste, non, juste pour savoir en fait, je vais t'envoyer un petit cadeau là. T'as capté le couplet de NOS? Il m'a mis Rabat, en plus avec la chaleur et tout, j'étais comme ça. Et le prochain son, comme pas deux. J'écris ma vie, tête avant de faire fumer, sans trop réfléchir, comme quand j'ai commencé à t'aimer. Le cœur serré, daily, 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 sur daily, je suis suspect. Comme pas deux, mais ils sont deux frères. PNL, alouais, genre c'est les petits. Franchement, j'étais choqué qu'il avait une vraie petite voix qui est comme ça. Qui rend ultra bien, franchement, je kiffe. T'as entendu aussi NOS quand il dit j'étais pas loin de tirer une balle, un truc comme ça. Tu sais, c'est première écoute, tu connais, j'ai pas Rap Genius devant moi, arrête de faire le fou. Et ça, ça rappelle, souviens-toi, 2017 quand ils avaient sorti le clip Nar. Et on s'était dit à l'époque, est-ce que c'est vraiment la vie de PNL? Mais là, ce qu'il a dit, c'est réel, hein. Il aurait pu faire une MHD, attention. Et d'ailleurs, si vous voulez que je vous passe un peu des infos sur MHD, n'hésitez pas à me dire en commentaire, les gars. Que voilà, qu'il se passe des trucs de fou dans le Peura. Je te parle sérieux. Eh, ça, depuis que frère, j'ai la coupe, ça, depuis que j'ai la coupe, hop, tu connais. Déjà, c'est un son, je trouve, hein, plus entraînant que Ryu. Pour le moment, c'est un son faute, les gars. Prochain son, Sibérie, ça rafraîchit. Si le cœur devient noir, c'est la faute à tes fautes qui perdurent dans la lumière. J'imagine que tu penses que je suis mal de par mes états d'âme, tu captes rien sous le rideau. Des rêves trop égoïstes pour que je les vive. Moi, je suis trop différent pour savoir qui je suis. Je me contrôle. Je vois tout à l'envers. Remarqué au niveau de la construction du morceau, il y a toujours couplet, refrain, couplet, refrain. Quelque chose de assez classique, c'est ce qui fait charme, simple, efficace. Je suis obligé de dire un deuxième point, Zinc. Ramène-moi celui qui dit que PNL, ils savent pas écrire, mais non. Des putains de philosophes. Là, première écoute, j'ai entendu quelques punchlines là par-ci par-là, c'est pas des bails. Je ramène le AK et je vais faire caca. Non, frère, c'est des pensées profondes. Consciemment, t'arriveras jamais à écrire ça, jamais de ta vie, jamais, sache-le. Prochain et dernier titre, très simplement appelé Bang. Je monte sur scène. J'aime pas du tout ces rênes, potos, j'kiffe pas me voir dans tes snaps. J'fais ni mouk, bang, 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 bang. J'fais ma thèse et puis j'te pèse, bang, 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 bang. Et puis j'suis bestial donc j'te blesse, bang, 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 bang. J'préfère cancer elle, j'préfère cancer elle.
Amène pas baba, je tirais papa. Waouh. Waouh. En fait, t'es toujours comme ça. C'est vraiment ce PNL. Première fois que t'écoutes, c'est. Waouh. Y'a un truc que j'étais obligé de dire. T'as vu dans le refrain, quoi. Des mots, il fait bang, bang, bang. Frère, je m'imagine trop sa tête en studio. Voilà, il doit être comme ça. C'est obligé, frère. Sinon, ce que j'aime bien avec PNL, y'a une sorte de paradoxe. Ça veut dire que leur délire, c'est QLF, que la famille. Ça veut dire qu'en vrai de vrai, toute la fanbase, y compris moi, on se reconnaît parce qu'en vrai, ce qu'il y a de plus important dans la vie, on le sait tous, c'est la famille. Et donc. On se reconnaît en eux, mais à chaque fois, ils te le rappellent, on n'est pas comme eux. Tu vois, tous, on est différents, tous différents. Tu vois la contradiction? Et là, ils te le rappellent. Franchement, réédition. Que 400, hein. C'est assez dommage, c'est assez court, mais les 4 sont parfaits. Moi, ma préférence, c'est pour le dernier. Mais les 4 sont excellents. Comme note, un 18 sur 20, frère. Voilà. C'est bizarre, hein? D'habitude, quand j'écoute la première fois, t'es fou, frère, c'est dégueulasse. Mais sauf que là, ça m'a fait un bon effet d'entrée. Tu vois, c'est bizarre. C'était la première écoute de l'Inst, la réédition de l'album Deux Frères. Et bien évidemment, lâche un like, zinc, le pouce bleu, comme on l'appelle chez nous les Françaises. Vu que tu as mis le petit like, je vais te faire une faveur. Vas-y, dis-moi le nom de ton collègue. Je l'écris dans le Death Note. Vas-y, je t'écoute. Marque ça en commentaire, zinc. C'était l'Inst. Je vous kiffe. Peace.